dizaine d'années dans cette petite bourgade de 1400 âmes, se replonger dans les techniques d'antan de la moisson. La fête est organisée par le musée du Pays Welsh, situé à Fréland et géré par l'ASVP, Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, qui aime aller par-delà les murs pour apprendre aux plus jeunes ou rappeler aux anciens de beaux souvenirs. On a d'abord commencé par aller faucher le blé à la faux, comme autrefois. Ensuite, on l'a amené ici à la batteuse avec ce qu'on appelle un tchep. Et puis on l'a battu au fléau. Ensuite, on l'a vanné au tarare et au vent manuel. Et ensuite, la dernière technique, la plus moderne, on l'a passée à la grosse batteuse. Tout au long de la fête des moissons, les visiteurs ont aussi pu participer à des démonstrations de fabrication de râteaux ou de seaux en bois, de confection de paniers d'osier ou découvrir une exposition de motos anciennes. Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition fin juillet 2023.